Bonjour, bonsoir tout le monde, tous les amis collaborateurs qui connectent avec nous tout partout dans le monde. Là. Jeudi, c'est lundi 19 juillet, nous comptons rentrer la caillou, nous pouvons partager avec vous les dernières nouvelles qui ont fait actualité. Bienvenue sur Chanel Paola. Et voilà, caillou. Dans la vidéo, ça, nous pouvons partager avec vous les dernières paroles qui sont sorties dans la bouche ancien président Jovenel Moïse, lui-même qui assassiné lâchement la nuit qui était 6 pour ouvrir 7 juillet qui sont passés là. Eh bien, président Jovenel Moïse, lui-même qui était désespéré, mais qui dernier parole qui était sorti dans la bouche lui. La vie en danger. Vini vite, vini sauver. Ça, c'est dernier appel téléphonique président Jovenel Moïse t'a fait. Lui-même qui était désespéré avant yo assassiné, c'est ça, il t'a dit, la vie en danger. Vini vite, vini sauver. Dans un article qui sorti dans le journal américain Miami Herald, hier dimanche qui était 19 ans, et mais plusieurs policiers qui étaient sous poste et mais ont bail témoignage à journal ça. D'après ça ils fait connaître, ils ont dit il était 1h34 dans matin le président Jovenel Moïse fait appel ça. Mais selon ils habitant dans zone là, dans zone Pèlerin 5 côté président Jovenel Moïse terreté, eh bien, commando yo te commencé à tirer depuis 1h30 dans le matin. Ça veut dire 4 minutes après, Jovenel Moïse te fait dernier appel qu'elle te fait. Président Jovenel Moïse te relé et chef police nationale là, Léon Charles. C'est lui-même qu'elle te relé. Président Jovenel Moïse dit Léon Charles, mais il a tiré sous caille là. Voyez renfort. C'est ça Jovenel Moïse te dit à Léon Charles. C'est parole ça qui te sorti dans la bouche li, dans le téléphone. Selon Paul, plusieurs policiers qui étaient là, qui étaient parlé ensemble avec le journal Miami Herald, assassin rentré en deux cailles là. Ils ont dirigé directement dans la chambre du président Jovenel Moïse. Yo tap parlé avec yon moun nan téléphone qui tap aidé yo identifier président Jovenel Moïse. Ça veut dire yo pas trop connaît président Jovenel Moïse. Là yo fin identifier profil président d'après yon policier qui était sous place, qui était sous poste à travers yon l'autre moun qui était sous ligne qui tap parlé ensemble avec Messine yo, eh bien yo anik paraît en face chef l'état. Et puis yo tiré sous lui. Sans yo pas dit yon mot, individu avec zam, yo prend 10 minutes pour yo capable assassiner président Jovenel Moïse. C'est ça, agent policier qui était sous place, IRGPN, IST, c'est ça que yo dit Miami Herald qui était passé. Mais il y a un journal. Yon journal dans le pays Colombie, matin, li fait yon article sorti. D'après ça, le journal El Tiempo pour faire connaître, eh bien, agence d'intelligence en République Dominicaine, yon te recevoir audio avec un pile donné sur ça qui t'est passé et jour soir ça. D'après rapport, d'après ça, yon nan et agence d'intelligence en République Dominicaine, nous connaissons en République Dominicaine, gagne plusieurs agences d'intelligence, mais agence officielle là, c'est DNI. C'est DNI qui c'est agence officielle en République Dominicaine. Et bien, d'après ça, qu'ils ont révélé El Tiempo, eh bien, qui a accès à audio, El Tiempo a accès à audio, à info ça, à rapport ça, qu'ils remettent à intelligence et la République Dominicaine, sous ça qui vient pour eux, ensemble avec assassinat Jovenel Moïse. D'après ça, qui établit dans le rapport ça, eh bien, il dit, audio ça a gagné information sous machine qui a été loué en République Dominicaine, qui a été loué moun qui t'a venu pour te assassiner chef l'État haïtien. D'après moun, d'après informateur ça, qui trouvait li nan agence d'intelligence en République Dominicaine, li dit tout, la nuit côté, yo jou à souhait côté yo assassiné président, yon moun important dans la police dans le pays Colombie, et bien li rele la caille président, pardon pour Brimoto que nous t'en décapacé là. Eh bien, gagne yon policier, la police
et relè la caille président Jovenel Moïse. Et mais la police dans le pays Colombie relè la caille Jovenel Moïse. Et mais li di yo, gade, gen yon groupe colombien kap vini kite yo passé. Et c'est raison ça qui fait yo te kite porte et rentrer la caille Jovenel Moïse, et mais yo te quitté porte là ouvert, porte a été tout ouvert, et ça fait nous ouais pas te gain échange de tir, pas même gagnon pétard qui te tiré, et dans moment colombien yo te rentré, en un moment que mercenaires yo même yo te rentré, et bien yo te rentré très facile, et puis c'est parce que tu déjà gagnon appel qui te fait, qui te dit mercenaires yo colombien a venu, et bien yo qui te rentré, et ça qui dit que pas gagnon ken et balle qui ken cartouche qui te tiré jour soir. D'après rapport ça qui est écrit en français, eh bien, et agent dominicain, il fait connaître que moun ki touye président Jovenel Moïse là, eh bien, c'était et policier haïtien yo dit qui fait ça, c'est policier haïtien qui fait zap assassinat et sous président Jovenel Moïse. Pas oublier que colombien yo journal en un pays colombien. Yo gagné une série de travail que y a fait dans moment que m'a parlé ensemble avec nous là pour capable dévier enquête qu'a fait là, parce que gagné un journal et Caracol qui t'a déjà fait comprendre que c'est premier ministre là, c'est lui-même qui auteur intellectuel, c'est lui-même qui payait pour capable touyer et président Jovenel Moïse. Et après nous te voit que la police en République Dominicaine et dans pays d'Haïti DCPJ yo te vinn démenti information ça. Après yo tourné répliquer information, yo dit yo gen toute information qui fait quoi que c'est premier ministre là Claude Joseph qui gen pour ensemble avec assassinat ça. Colombien a fait tout ça dépend de eux-mêmes pour yo capable laver mais c'est meilleur pour être capable de laver et ça passe à et moun pa yo et bien pour être capable de larguer et chayla sous dos haïtien. Tout le monde connaît auteur intellectuel assassinat sous président Jovenel Moïse, li pa ka l'autre côté que en Haïti. C'est moun en Haïti qui paye fait ça. Et mercenaires yo colombien yo nous connaissons, c'est yon travail, c'est yon job nèg yo t'al fait. Yo recevoir l'argent yon côté, yo recevoir l'ordre yon côté, bien que d'après yon rapport que yo te fait sorti, yo fait comprendre que c'est Badjo, c'est lui-même qui te bay l'ordre pour capable assassiner et président Jovenel Moïse. Ça li pa gen doute la donne que assassinat Jovenel Moïse là, lui-même li te planifié, c'est moun nan pays d'Haïti yo même qui payait l'argent et autorité et la justice en pays d'Haïti, DCPJ doit mener enquête jusqu'à ce que yo abouti à moun qui gen pouè, à toute auteur intellectuel qui gen pouè ensemble avec Zach assassinat qui fait sous président Jovenel Moïse.